Salut les gamers, ravi de vous retrouver pour ce nouveau x2, aujourd'hui c'est x2 antique et je vois qu'il y a déjà pas mal de monde dans le chat. J'en profite pour les saluer et bonjour à vous si vous êtes sur la rediff YouTube, puisque oui on sera peu nombreux ce soir, il y a les vacances, il y en a qui ont ouvert pour ragache, comme le papa Pierrot, et ça peut poser quelques soucis. Alors je vous demande quelques instants, on sonne à ma porte, sans bien démarré, à tout de suite les amis Bon comment commencer un live à la Wenagain, Again, ça c'est bon ça, Ouais le mec qui a oublié son texte. Bon j'en profite pour saluer le chat, les youtubeurs qui regardent évidemment la rediff, euh, et puis donc je disais on va pas être très nombreux, il va y avoir du monde effectivement qui est en vacances, ceux qui ont ouvert pour Agache, n'est-ce pas Papa Pierrot, et bref voilà c'est un peu le... ça va être un petit peu clairsemé ce soir pour les antiques qui est en général l'endroit où tout le monde est chaud. Alors j'en profite pour saluer le chat, salut Alex, salut Judo, salut Erin, salut... Leco, coucou Nurdiana, salut Ryder, salut Judo, salut La Luna. Nous avons aussi Blue Ditch, salut à toi, salut Picard pour sa grande première, c'est lui qui va ouvrir le bal. Bonne soirée, ma puce. Et on a une Lady, coucou Lady. On a également Lévidou, bienvenue à toi, salut Regina. Ah, content de te voir aussi, Regina, j'espère que ça va. On a Casia Faron, on a même un CLPP qui est là. Oh la classe. Salut Savras. Et merci, salut Sir, merci pour ton resub, merci aussi à Nurdiana pour. Pour votre soutien, à tous les deux, mille merci. Rider. salut à toi. On a vu Amiral, il y a Zenark également. Il y a du beau monde, hein Ils sont tous là, en fait. Ils sont tous là. Les vrais. Les vrais, ils sont pas en vacances, hein. Salut, Bankai. Crois oh, qui est en direct de New York. T'es où T'es sur la, la tête de la Statue de la Liberté Salut, Loyo, bien et toi Bah si, moi, je vais ouvrir quelques éclats. Voilà, j'en ai eu quelques-uns. Comment ça, pub Oh purée, et les gars, j'ai fait des réglages la dernière fois sur les pubs, là, que ça nous avait pollué sur le chat. Euh, enfin, ça nous avait pollué le live, et là, on se reprend encore. Incroyable, cette histoire. Franchement, ça me saoule. Je vais aller revoir les paramètres, parce que là, normalement, je les ai enlevés, quoi. Ouais, bah après, pour ceux qui sont abonnés, les dix a priori, il n'y a pas de pub. Mais ils ont, ils ont modifié leurs réglages, là, a priori, Twitch, maintenant, les pubs sont obligatoires. Mais enfin, euh, je vais regarder si je peux pas les espacer, parce que quand ça tombe pendant les même... Euh, c'est quand même. Ah, t'es re de New York, Bankai. Quand ça tombe pendant les invoques, c'est quand même assez vilain, quoi. Tiens, un monsieur tire en anonymous. Salut à toi. T'as une pub en tant que sub. Après, je te vois pas sub, Amiral. C'est peut-être pour ça que t'as eu la pub, parce que ceux qui sont sub n'ont pas la pub. Bon. Je ne sais pas quoi vous dire, les amis. Ça me... Moi qui suis un, te... un piètre technicien, ça me saoule grave de devoir... Euh... Subir ses pubs. Oui, bien sûr, je vais t'acheter ton habit de Trunda dans tes rêves. Allez, on va aller ouvrir le bal de cette soirée. Merci beaucoup pour ton prime, la Luna. Ravi de t'avoir parmi nous, merci mille fois. On a également euh, Raizuki, salut, qui sera de la partie aussi pour l'invoque. Euh, et donc on va, on va euh, bah écoutez, faire une première. J'oserais dire qu'on va dépuceler notre cher Picard. Voilà, ce soir, ça va être la première de Picard. Et, 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 objectif, bah aller lui sortir du lourd, évidemment. Alors, on va aller se connecter sur ton compte, Picard. Les raids arrive bien à se déconnecter parce qu'on est quand même. Euh... Ah, voilà, quand même. C'est en PLS. C'est un fatal Picard, vous voyez. Je ne sais pas s'il si a la cagoule, il faut lui demander. Je t'en prie, je t'en prie, Amiral. Et effectivement, euh, c'est euh, ça les limites. La dernière fois, malheureusement, il y a beaucoup qui ont essuyé les plâtres avec cette histoire de pub. Alors, quand ça tombe dans les invoques. La dernière fois, je me demande s'il n'y a même pas eu un légendaire pendant les invoques euh, et, et la pub qui est tombée pour tout le monde en même temps. Quoi. Que du bonheur. Que du bonheur. Alors, la nouvelle Legnen. Tiens, on va aller jeter un petit coup d'œil. On va aller jeter un petit coup d'œil à cette nouvelle Legnen. Et la chatte à mémé, à Dédé, à Pépé et à tout le monde, bien sûr, Regina. évidemment. C'est sur ton seigneur de guerre, à qu'il... la poisse. Ah, quelque chose a mal tourné, relance l'application et Pas Passe ça. Pas du tout dans la pitié. Bon, donc en gros, c'est que de la chatte à Dédé, alors... Euh, Picard. Euh, alors, qu'est-ce que tu disais dans ta wishlist, toi? Et, et J'y pense, moi, je mais j'ai toujours pas lancé. D'ailleurs, j'ai vu Tagada aussi. Salut Tagada. C'était gentiment proposé pour faire aussi euh, le modo sur la chaîne Twitch. Et j'ai pas encore euh, lancé les appels à candidature dans. Je, je, je le ferai avant fin juillet, les amis. Je vais me le noter. Appel à candidature. Préparez vos jolies CV lettres de motivation. Modo. Donc vous aurez compris, ce que je cherche principalement, c'est des modos qui ne sont pas Benaz et Golix. Tout l'inverse de Benaz et Golix, c'est-à-dire déjà être là. Ça, c'est déjà la base. Et puis, euh, que dire après Que dire, que dire Je ne sais pas trop quoi dire. Euh, être sympa, être présent, euh, euh, kicker euh, les, les, les personnes, euh, même s'il y en a peu qui sont malveillantes. Donc, euh, bon, bah, c'est pas non plus euh, très très violent. Et bah salut Yas, bienvenue à toi et merci pour ton deuxième mois de sub également. Et merci Lévite également pour ton sub. Bah écoutez les copains, vous me gâtez ce soir. Hein J'oserais dire que vous me gâtez. Alors est-ce que je le mérite Parce que la dernière fois sur les fois de néant, ou si vous avez regardé, je ne sais pas, vous avez regardé un peu l'invoque que j'ai fait pour Agache Je crois que là c'est mythique quand même. Ah, mais toi c'est le LPP, tu as kické tout le monde, même les gentils, tu me fais peur. Salut Mist Exactement, bancaire bon, okay, il va ban tout le monde, c'est LPP. Un bonjour, ça va être pris pour un pour un mauvais mot. Et allez hop, on dégage. Attendez, j'ai même pas lancé stream label moi. Je suis la ramasse. Complet, complet. Ah tiens, Zenark, Qu'est-ce qu'il nous dit il faut un hein, mec 48 expériences technicales. Eh ouais bah ben, écoute, ça va, on a réussi à se connecter. Euh, ouf. Parce que disons, s'ils te font des expériences techniques au moment où on est en live, est, ça ne le fait pas. Hein. Déjà pas la régularité que j'ai en live, les copains, donc euh, si en plus euh, on me bloque... Alors, c'est quoi cette nouvelle naine Elle sort d'où celle-là C'est pendant la, la nouvelle... Euh... Là, je suis en bug, là, Kera, l'observateur, elle me dit, ah si, c'était dans les nouveaux champions. Ça, ça dépend comment tu dis bonjour, toi, c'est le PP. Écoute, merci beaucoup, Lévi, je suis ravi que ça te plaise et que ça t'aide. Hein. Même les anciennes, je suis content, elles sont encore, même si elles sont pas belles visuellement, parce que j'ai pas les moins... Aussi bon PC, j'avais déjà un peu plus de cheveux, mais par contre, euh, elles sont toujours d'actualité. Hein. Salut Chalandu Non, je crois qu'il était. Euh, Celui-là, il était déjà, elle était déjà sorti. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait Place un buff protection d'aller sur tous les alliés. Augmentation de def sur tous les alliés. Bon, ça déjà, c'est propre. Cool de 3 tours. Attaque tous les ennemis. 100% de chance de placer. De réduire d'un tour la durée de tous les buffs. Réduction de prêt. Ok, 3 tours. Réduction d'attaque sur son 1. Pas mal ça. Moi euh, bon, je la vois bien sur l'hydre. Voilà. Et puis, bon Seigneur des mondes dans une team infinite, pourquoi pas. C'est à peu près là où je la verrai le mieux. Ben, bien sûr qu'on va aller jeter un coup d'œil à ta box, mon cher Nouche picard T'en fais pas. Hein. Alors franchement, les nouveaux persos, les dits, ils déchirent. Hein. Franchement, le ragache. je, je pense que. Enfin, il est déjà full. Hein, je ne le cache pas. Maintenant, il manque encore un petit bouc pour que je fasse le guide. Alors, on en profite pour découvrir la box de notre ami Nouchpika, C'est déjà une bonne base. Hein Alors, justement, j'essaye de... Alors, comment te dire, Aluna J'essaye de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'en prêchant l'invoque la... de... Voilà, trois petits points. De M trois petits points. Je me dis que ça peut sortir du lourd. Mais euh, moi honnêtement pour Ragash je m'attendais à mieux. Hein. Je savais que j'allais taper un légendaire. Euh, voilà, je m'attendais pas à aller aussi loin. Combien 90% pour choper un légendaire. Mais c'était de la dinguerie quoi. C'est de la dinguerie. Salut Bernard quoi? J'aime bien ton, ton pseudo, Bernard quoi? Caché. En plus c'est Capote Massier qui est caché derrière. Salut à toi. Ah il est dingue, Ragash. La roule Regina. Tu vas voir les purges. Non, non, il y a pas l'air Purge. Là, on est... Quand, on... Quand je dépucelle quelqu'un des invocations, en général, ça se passe pas trop mal. Alors, on va en profiter. On n'a pas de modo ce soir. T'as 66 places pour 75 éclats T'as pas de place encore dans ta. Dans ta réserve. Alors. Oh, tu dois bien avoir un petit peu 128 000, regarde. Je t'ai ouvert une place dans la réserve, ça coûte que dalle. 1 252 non t'inquiète pas, je vais pas piller ce euh, que tu en stock. On va essayer d'aller mettre voilà, des petits niveaux 1 là, vers la réserve, hop. Faire la, la réserve, voilà, c'est bon. Et donc on va être bon niveau place, tu vois. On a trouvé la solution, impeccable. C'est pas 90 Tagada Ah, oh, je me souviens plus, hein. Pas de vrai streamer non plus, bah non, bah non. Mais moi tu vois, je suis un streamer du peuple, tu vois, je m'invoque des purges avec une, une pitié à, à fond pour montrer que je... Voilà. Et ne pas pousser la conso. Montrer que voilà, ça arrive à tout le monde. Euh, donc 75. 75 éclats. On va être bon. On va essayer de. On va essayer de parler déjà de ta wishlist. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit il y a trop de champions, tu aimerais bien un game changer, Lego Epic, pas une purge, qui pourra te faire avancer dans différents compartiments de jeu, campagne, donjon principalement. Euh, ta, 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 ta ta. Ok, donc il n'y a pas de wishlist particulière, bah du bon quoi. Du bon. Encore l'opportunité effectivement d'aller chercher pas mal de, de choses, pourquoi pas, euh, intéressantes. Alors, attendez, on va remettre le son du coup, pour que vous puissiez entendre le son des éclats, c'est quand même mieux. Merci Alex pour ton huitième mois de sub. Merci pour ton Prime. Merci beaucoup. Et c'est pas pour non. Moi je veux pas. Je suis pas d'accord que tu sois pour qu'il y ait de la purge. Ça c'est non. Pas beau. C'est le dépucelage en plus de nous picard. Ça se fait pas. Hein. Bon les amis, je vous laisse quelques instants pour me dire dans le chat que pensez-vous qui va tomber un leg, deux legs, zéro. Vous avez quelques instants avant qu'on démarre et après on se lance. dit le jour où il y a un x10, un x10 euh, dudu... On en reparle. Ouais, et t'as pas réussi à te reconnecter, Sire, du coup Fais peur pour le prochain, si ça se trouve. On, on va rester sur le compte de nous, je toute la soirée, hein On va les farmer. Je sais même pas qu'il y a des émoticônes dauphin à la luna. Alors, un Rotos, un leg, god tier, un leg un Leg, un Leg, Tout le monde pense qu'il y a un Leg. Il a dit qu'il n'était pas dans la pitié. Hein. T'annonces Draco, qui a pas de masqué. J'en doute pas. Bah, je sais. Que ce soit Lady et Regina, c'est des, des dingueries ce qu'elles sortent. Hein. On va faire une file indienne, euh, une farandole d'opening. Luna, tu. Non, la Luna qui nous sort une. Euh, une Dudu. J'y crois pas. Bon, on va y aller, c'est le PP, on va y aller. Il est pressé le monsieur. Hein oh là là là, qu'est-ce que tu veux Incroyable, il est pressé. Hein bon allez, on est parti pour les 5 premiers. Tu ne connais pas encore la chanson, mais tu vas la connaître, nous fica. Que la chatte ADD soit avec toi. J'espère qu'on va sortir un minima du bon épique et si possible, du beau légendaire. C'est parti. Ah, tu parles du dauphin <laughs> Ça m'a fait peur, mais moi, tu sais, qu'on on parle une fois de Dudu, après, j'ai l'impression que tout tourne autour de la Dudu. Hein. Allez, un petit épique. Oh Oh Ça, ça commence fort. Ça, c'est de l'excellent épique, mon cher Nouf Et même si c'est un doublon, c'est loin d'être un mauvais doublon pour l'Hydre, entre autres. Euh, salut Alors, attends que je ne me trouve pas. Salut Guy29, merci pour ton follow, bienvenue. Comment ça, je t'ai esquivé, Amiral je t'ai raté. Eh, je t'ai raté pour ton sub aussi. Merci mon poteau. Incroyable. Je, je suis complètement perdu. Désolé mon cher amiral. Bienvenue guy. Bienvenue. Donc voilà ce qu'on a déjà nous Picard. On a une championne qui réduit la défense zone et qui bloque les buffs en zone. 100% de chance cooldown de 3 tours. Qui pose du heal. Qui retire un des en plus. Euh, et qui pose un petit sensu sur tout ça. Donc ça c'est très très propre. Très très propre. Salut Fake bienvenue. Eh bien t'avais pas, franchement, c'est une des meilleures épiques du jeu, hein, Nouche Picard. Combien il y en a qui rêveraient de l'avoir en, en double ou en tri pour la. Pour la. Comment ça s'appelle Pour l'hydre entre autres. C'est beau. Deuxième éclat. Allez, on continue. Après Hugo. Elle fait partie des meilleures épiques de très loin, la dame Hugo. D'ailleurs, j'ai fait son guide. Même si je dis Monsieur tout le long du guide, je préfère prévenir. Allez, on chauffe avec du rare. Non, pas quoi Pas le concept. Non, mais dans, je sais très bien que dans le nt 3 ils n'ont pas tous du du. Évidemment que je suis en souffrance avec du du, c'est une, une horreur. Quand je vois tous les compartiments de jeu, des fois quand je veux des inspi, il ben y a du, du dedans. Dans Lydon, par exemple. Allez, on commence les choses sérieuses, après déjà une belle Hugo. Nous, Picard, c'est parti. Maintenant. Ah, il va nous chauffer avec un strike. Larium Larium On l'a dit, on parle d'un légendaire néant. Hein, moi, dans ce cas je peux les citer. Hein. Chris, Sifi, Yumeko, euh, et compagnie, là que j'ai pas, Cardiel... Alors oh, toi t'as déjà fait la collection mais pas moi. Hein. Bon, allez, on passe vite ce strike. Même si comme d'ici, Rabissal peut être très bien. Un compartiment de jeu... Oh, ils ont pas... Oh Deuxième strike, c'est quoi ce délire là Ils ont pas 1000 fois 2 X2 ça n'arrive pas ça les doubles strikes, c'est quoi 12% de chance. Incroyable. Ah, un épique. Prêtresse de ruine. Très bon. Très bon. Très bon. Très bon. Très bon. Non, non, pas de jamais 203. Chevalier serre. Et les copains, attendez. Attendez. On fait quand même 3 excellents épiques là pour notre ami euh, Nouche quand même. Hein. Prêtresse de ruine. Ça va énormément servir de... dans pas mal de domaines de jeu. Chevalier serre. C'est un doublon. Dommage. Euh, mais prêtresse de ruine et Hugo déjà. Ouais, ah, bizarroïd, comme tu dis. On a les points avant, Yas Ah, c'est dommage ça, parce que normalement, ils avaient bloqué le truc. Pas vu qu'il y avait le nombre de points avant. Quand je pense qu'il y a Aaron, le nombre qui en cherche encore. Salut, Zingouz Bienvenue, bienvenue. Allez, on continue Bon en tout cas il y a, franchement il y a du très bon épique déjà, on va continuer. Bon Malabar la barre de siège. Ah Diacram Strong, ok. Pour rêver, mais on a un peu plus d'épique. Ok tu vois quand on en fait plus on en fait de la, du moins Kali quoi. A part Diacram Strong, là il y a un qui fait rêver. Euh, ouais Chevalier Serre c'est un doublon aussi, Prêtresse aussi, bon dans ce cas là. Diacram Strong peut-être pas, allez il nous en reste 30. Encore de quoi rêver en plus de Damugo. Merci beaucoup pour ton sub, mon cher Judo. Merci mille fois. Cornelia aussi. Troisième mois d'ailleurs, Judo. C'est hein. des fidèles, hein, les amis. Hein. C'est des fidèles. Tu me sens pour la plus de Razin, il l'a pas fait Non, on a juste sorti euh, une Hugo pour le moment. On n'est pas dans la pitié. Il va nous rester 20 éclats. Donc euh, on démarre juste, Zingouz. Tu n'as rien raté. Juste des charmes. Oui, oui, effectivement, il y avait des charmes, Zingouz. Allez, on continue avoir brillé jaune je le disais quand c'est un dépucelage c'est jamais jamais de la mauvaise qualité les amis c'est jamais de la mauvaise qualité un hein? calvalax ça ça va te faire du bien effectivement comme dit ici speedrun notre ami calvalax qui envoie du poison à tout va on fait calvalax on fait Diac. Armstrong, on fait Hugo, on fait Chevalier Serre, on fait Prêtresse de Ruine. Pour l'instant, c'est quand même pas mal. Même s'il n'y avait pas énormément d'épiques, c'est plutôt pas mal. Et Cornelia, ouais, c'est une super contrôle, Cornelia. Lucine Runner. Non, non, allez, franchement, Calvalax, il est top. Il est top, il pose euh, direct des poisons au début de son tour. Bon, après, il y a une mauvaise trad, hein. Et là c'est marqué au début de chaque tour, mais c'est au début de chaque manche plutôt. C'est qu'un débuff poison. Et ensuite, au début de chaque tour, c'est un debuff poison de 5% euh, sur tous les ennemis avec 50% de chance. Salut Durinor Très bien le Calvalax, il va pas mal t'aider dans, les... dans pas mal de domaines. Il est propre. Allez, on continue du coup les 10 derniers. Allez, pour le panache. Tout pour moi, pour l'instant et pas une mauvaise invoque du tout puisqu'on fait un deuxième légendaire alors ok lui c'est pas le plus fumé mais on fait un deuxième légendaire merci pour ton follow la Spitfire de Baron ah, ceux qu'on qu dit d'eux ils sont bons hein. ceux qu'on dit d'eux ils sont bons hein. alors effectivement ça tue pas pitié, c'est ce qu'il faut retenir Calvalax il était ici donc on était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11. Voilà. 11 de piti, euh, ça va quoi. Ça va. Allez, bonne binouze, mon cher Alex. Avec modération. Euh, qui, qui ça Trèfle Alors, Trèfle peut être effectivement euh, très efficace dans les wave hein, d'été. Comme dit, euh, dit Guy29. Euh, il fait la réduction de vitesse en zone. Il réduit rempli le compteur de tours. Euh, donc là, c'est un peu... Ce que va faire une Lissandra, même si elle, elle booste la vitesse. Et là, on a quand même un kit euh, augmentation de sur tous les alliés. Augmentation de vitesse sur tous les alliés qui ont plus de 50% de PV. Augmentation de tocrit euh, également. Et après, ranimer la, après la mort sur tous ceux qui ont moins de 50% de PV et qui ont un petit soin. Il est très propre. Il est très propre. Peu utilisé, mais je le trouve propre. Et effectivement, sur les vagues d'été, je pense que, que ça doit plutôt bien marcher. Et dans la faction, évidemment, comme tu dis, Kefaran, il va apporter quelque chose. Ben je t'en prie, de legs. Donc qu'est-ce qu'on fait de nouveau dans tout ça Juliana. Bon, Juliana, on s'en fout un peu. Euh, on sort ton premier légendaire, trèfle. Et puis surtout, Hugo. Moi, je te dis, il faut vraiment miser sur Hugo. Il faut la bouquer. Tu m'en diras des nouvelles. Dans les morts-vivants qui ont fait de neuf, Exia, on s'en fout un peu. Dans les revenants, et eh ben, Calvalax. Peut très bien comboter avec Seigneur Tombeau d'ailleurs. Euh... Et bah ben effectivement avec Prophétesse ça doit bien comboter judo hein si on retourne voir le trèfle là vu la quantité de buffs qu'il met, dev, vitesse, tout crit ou animé après la mort, c'est-à-dire qu'il met quand même trois buffs hein, cooldown de trois tours. C'est où là qu'il a. Ah oui, c'est sur les soins continu c'est pas garanti. Ah non, il pose minimum de pour Deux et trois buffs. De là où ils en sont. Deux buffs garanties. Et le troisième c'est 75% de chance. Ouais, donc ça peut être propre. Ça peut effectivement être propre, même si bon bah si on l'utilise qu'avec Prophétesse. Euh... En tout cas, il, pour moi, il sera plus intéressant que Mage de Mausolée si on l'utilise en vague d'été, quoi. Il y a des conditions, donc faut, ouais, effectivement, sur du donjon, on s'en servira peut-être un peu moins. Donc Exia, on a dit qu'on s'en foutait. Les revenants, on a vu donc Calvalax, en nouveau légendaire. Et en un. La petite Conelia. Alors Conelia, très très intéressante. Moi j'adore son. On paie des profondeurs, 100% de chance de placer un débuff sommeil sur tous les ennemis pendant un tour. Et dès que ce débuff sommeil est euh, euh, retiré, elle a 75% de chance de le transformer en peur. Donc, franchement, en termes de contrôle, c'est génial. Et puis, elle peut augmenter le temps de recharge d'une compétence aussi euh, sur, sur sa compétence de base. Ça peut être très très fort. Euh, t, -book, t book, tu parles de Leg Bah déjà euh, si c'est des boucs épiques, je te dirais prophétesse, hein. il manque juste celui-là encore un petit bouc ou euh, pop pop combien t'as de boucs 24. Bah, termine prophétesse déjà c'est sûr une prophétesse et qui 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 qui, qui donc là t'as Prêtresse 13 de ruines Elle on va de toute façon surtout l'utiliser pour son pour son à Fini Garde Royale aussi, je dirais pour ce qui lui reste. Diacre, tu l'avais déjà. Et sur son A3. Euh, Samar, alors Samar ne le bouge pas. Ne le bouge pas, il te fera le boulot sur le, comment dire, sur beau sur la tour du malheur, mais euh, sans boucle ça suffit. Euh, Ouais, moi j'aurais tendance à te dire qu'elle va hein. Après c'est que du dégât qui gagne. Même pas besoin de bouc, vraiment, qu'elle va en fait. T'as raison, du Je m'en suis rendu compte après. Je me suis mis attends, mais j'ai parlé de de, de round alors que alors qu'en fait on parle de cycle quoi. Non mais. Était fatigué le papa Piro, quand il a tourné la vidéo. Le pire c'est que je voulais la, la poster demain puis d'un coup je vois. Bah pourquoi elle est sortie Je l'avais programmée aujourd'hui. Non, mais là, ça va plus du tout. Bon, vous aurez quand même compris l'idée, ça va. Le fond n'est pas déconnant, mais dans la forme, il y a du laisser-aller, hein, je, je confirme. Donc, écoute, je, je sais pas quoi te dire euh, sur tes books. Euh, T'en as quand même 14, hein. Moi, je te dirais si t'as besoin. Ah, attends, est-ce que SIL déjà, les est Ah, bah non, SIL, SIL direct, SIL faut, faut finir de la bouquet hein. Dans tous les cas, elle va te faire le café s'il faut la bouquet De mes championnes préférées, je m'en sers. Euh... Beaucoup dans la, dans la tour du malheur. Le légendaire sur Yak, ouais. Exactement. Euh, moi je les mettrais sur SIL déjà. Après Ninja aussi. Mine de rien. Parce que Ninja, il va... Je ne sais pas si utilise sur le boss de clan ou, ou même ailleurs, mais il peut faire un. Il fait un très très gros boulot. La tour du malheur et, et le boss de clan. Moi je te dirais seal à 100%. J'aurais plutôt tendance à, mettre à, à choisir les copains. Je mettrais quand même plus ninja que trèfle en boucle. Hein. Pour le dragon, oui, c'est vrai. Mais il faut se poser la question de la polyvalence. On boucle un champion. Où il va servir S'il peut lui servir euh, dans les donjons pour progresser. Il lui servira quoi qu'il arrive dans la tour du malheur. Ninja, il va être vachement polyvalent. Euh, ouais, moi, pour moi, effectivement, tu boucles prophétesse S'il sans aucun doute. Et euh, effectivement, ninja, ninja, je le mettrai euh, dedans. Ouais, comme Ziga, je le mettrai vraiment dedans. Pour bon, moi, ninja, il va vraiment t'aider parce que, mine de rien, lui, ses boucs, qui lui servent pas à rien. Hein. Quand on gagne un tour de cooldown ici et euh, sur celui-là qu'on se garantit l'explosion des boulets avec un cooldown de trois tours, c'est quand même pas rien. Hein. Et ben, je sais pas, Zingouz, ça serait bien, hein, parce qu'il y en a certains qui l'ont pas et, et qui le regrettent. Hein. Ouais tu vois écoute, je crois qu'on est plutôt d'accord avec l'ensemble du chat. Seal ninja, c'est vraiment... Alors sil en 1, Ninja en 2, et Prophétesse en épique. Et puis euh, après, vu qu'il tresse quelques boucs tu peux aller finir un garde royale. Euh, garde royale, et puis euh, pourquoi pas cramstrong puisqu'il reste pas grand chose. Tu peux gagner quand même une chance de réduire la def ici. Et évidemment, le mieux étant d'attendre le CVC, comme dit Lévite, parce que du coup, ça va te servir pour faire des points. Ah bah, SIL, pour finir la campagne cauchemar, c'est du bonheur. Hein Hyper efficace. Hein Mais SIL, pourquoi pas Ninja Ninja, il contrôle, il fait des dégâts. Tu le mets en... Ninja, tu le passes en vol de vie. SIL, bah, elle est déjà en cet étourdissement, impeccable. Ah, faut juste après checker un peu, là c'est de la vitesse, la défense, ok, elle a une base voilà, impeccable. Hein. Salut Ward a priori ça crache, ouais. Et puis effectivement, comme dit Erin, si vraiment ça coince, tu mets un parangon. Hein. Parangon, je... est-ce que tu l'as aussi parangon Pas vu. Ah oui puis en bouquet pic, bouc Hugo. Pour bouquet Hugo, absolument, absolument. Alors, elle est gourmande, hein, la cocotte. Vos hein. bouquets sont à 2, ça c'est une certitude. Euh, sont à 3 aussi. Je pense à faire ça comme ça. Voilà pour les conseils, mon cher Picard. Allez, on va les se diriger vers le... Second. Alors, attendez, qui qu'on a là Que je m'y retrouve. Je vais jeter un coup d'œil à, à Facebook parce qu'il y a notre cher ami Eddie Pierre là qui m'a contacté, qui m'a dit Pierrot, tu ouvres, je suis au resto, ça sera la découverte. Et euh, je dis, il n'y aura pas de rediff. Mais si finalement, vous êtes quand même 5-6 à ouvrir, donc il y aura quand même une rediff hein. Non, Lady, arrête de te moquer de moi. Oui, quand j'ai vu effectivement Hugo, j'ai parlé de lui, il, il. Mais non. Voilà, je ne respecte pas les dames. En même temps, il euh, y a. Y a quand même avoir des doutes dessus alors ce soir on aura également rider Doro et Pierre, raizuki aussi euh, et ben écoutez vu que j'ai pas fait de, de classement particulier qui qui veut passer le premier qui se manifeste dans le chat on y va chez lui tic tac tic tac avec plaisir nous Spica. Ah, tu vois Zénarc, je ne suis pas le seul à mettre fait avoir. Ici, hein. si, si, il y aura une rediff YouTube, c'est le PP. Bah, je me suis dit, si on n'est pas trop nombreux, euh, peu d'intérêt, mais bon. Allez, Cyr a répondu le premier. On va aller chez lui. Donc là, par contre, on va ouvrir qu'un seul de ses comptes. Que le deuxième, il a fait la même chose que moi. Il y a un certain nombre d'entre vous ici. Hein, vous avez été euh, plusieurs à me dire, c'est quand que tu fais un guide ragage, c'est quand que tu fais un guide ragage. Je pense que c'était le... Le premier 150 éclats qui valait autant la peine depuis dame Kibi, que je n'avais pas fait et que j'ai regretté d'ailleurs parce que me manque toujours la cocotte. Hop le ragash, il est quand même bien dingue. Même si j'aimerais bien récupérer le lézard aussi au passage. Qui a vu le lézard, il m'a dit Oh c'est moyen et tout. Et non, non, mais... non, 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 le lézard n'est pas moyen, non. Écoute, première oh. fois que t'as autant de chance, en général le début ça chez Papa c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Ça roule judo, bah écoute, on te fera peut-être passer après. Hein. 241-991. Salut monsieur Dino, comment qui va T'es viré de ton clan hier Les gens, pourquoi il te virent T'étais pas connecté Tu fais pas le boss de clan Aérine ah, elle, est, elle est fumée Kimia. Oh là 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 là. La prochaine fois 2 c'est euh, sacré. Yo-yo. Salut Tornado. C'est dans deux semaines. Deux semaines les, les sacrés. Euh, je vais faire un guide de Surrider. Par contre exceptionnellement je vais faire un guide. Oh là là putain, Il est en PLS le jeu. Je vais faire un guide, mais ça sera un guide... Euh... Allez J'aurais dû rester chez nous, chat. Hein. Euh... Je vais faire un guide, mais il ne sera pas bouqué. Je préfère prévenir, il faut que je termine Ragash. Euh, J'ai encore un autre champion aussi à terminer de booker. Et puis, euh, mine de rien, il y a aussi... Euh... Il y a Karl Le qui n'a pas tardé à pointer le bout de son nez. C'est pour vrai, c'est pour vrai, c'est pour vrai. Je vais peut-être obligé de tout fermer. Que j'ai fait, Speedfire, j'ai cliqué sur assistance. ça ils, ils ont pas communiqué dessus rien dans les annoncements là ah oui en train de travailler dessus à 19h52 oh les gars faudrait peut-être se sortir les doigts là moi je suis en live hein ah, ça y est t'as tourné à l'américaine bancaille avec New York et ton match de baseball Allez, bon week-end à toi, bonne soirée. Qu'est-ce que c'est ce délire Salut Tajmir. Dennesse bah ouais, bah ouais, c'est quoi cette histoire là bah attendez. On va essayer de se connecter juste pour le... Juste pour voir. son compte. Tout monde est en PLS. Euh... Ouais, Tornado, on a sorti un petit Calvalax et un trèfle en 75 éclats, donc écoute, c'est propre. Hein. Draco, sans toutes ses maîtrises et ses compétences maxées, a presque fait me passer le brutal en nuclé. Ouais, ah, bah ouais. Il est fou, hein, Draco. Hein. Salut Diablo, tu vas bien un courage pour le boulot, hein. Je sais pas où tu es s'il fait chaud, mais. Monsieur, monsieur Tila me troll, Amiral, avec tout ce que t'as sorti récemment. Cette pudeur, euh, monsieur, s'il vous plaît. Allez, c'est le moment où je vais sortir le micro, hein. Ah ah ah. Salut Tesla. Salut Nero Elite, Merci pour ton follow. Eh hey, on est à deux followers des 1000 les gars. Deux followers des 1000 Là il va me connecter sur mon compte là. C'est mon compte ce qui marche bah, Sinon c'est ça. Hein. Je bascule sur Saint Seiya. sur Awaken. J'ai découvert aussi un nouveau gacha qui n'est pas encore sorti là. Il y en a deux qui me font de l'œil. Il y en a un que j'ai testé là, qui est en... disponible en APK. Je vais un... une petite vidéo dessus pour les... Les curieux, ceux qui aiment Rocking Dead. Salut Nalash. Ah, bon, on a réussi à arriver chez Papa Pierrot. Bon, je vais être obligé pour le panache d'acheter de, de, deux éclats en plus. À moins que je les fasse un par un. Attendez. Là, c'est pareil, ça bug. Euh, J'ai pas vu ton. Ah si, elle follow de Zénar. 1000 Oh là 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 Zenark, tu es le millième Tout un symbole. Euh, c'est pas mal, Zingous, pour démarrer. Hein. Surtout Milo. Ah, oh, je l'ai déjà fait pour Agache. Là, je vais, euh, je vais quand même économiser. Hein. Par contre, euh, vous savez quoi les copains là J'essaie de cliquer mais il se passe rien là. J'essaie de quitter. Il veut pas que je quitte l'invoque. On PLS le truc. Bon bah on va ouvrir un par un. Hein. Et ça se trouve le jeu est bugué. Je vais avoir eu légendaire comme tu dis Kajafarana. Hein. Salut Nishikawa. Bon allez on va les ouvrir un par un. Allez. Allez juste pour le millième follower. Allez c'est parti. Un par un. Je mets même pas de wishlist. Vous avez vu que j'ai sorti Razin. Magnifique. Euh. Yoku et Ramantu, ah oui, t'as de quoi faire, effectivement. T'as du du... Ouais, y'a pas de souci pour le secondaire, ouais. Euh... et ça se trouve, ça a pas compté en plus. Le coup, j'ai tapé 8 légendaires et ça a pas compté. Hein. Salut FleuMods, merci pour ton follow. Tu es le millième. Tu c'est un symbole aussi. Allez, pas de wishlist, rien du tout. 8 éclats, chat DD, on n'y croit pas de toute façon, c'est parti. Ça, ça marche, le bouton invoqué fonctionne, hein. Garde-chandelle. Alors, tu t'es abonné, c'est-à-dire tu t'es abonné, Rider T'as fait un follow, c'est ça Ah, Allez, on continue. Un par. Oh là là Oh, vous avez vu le délire J'ai cliqué sur invoquer, je suis passé à 6 éclats et ça rien passé. Oh, je commence à me faire escroquer des éclats c'est quoi ce délire? Ah, j'irai voir, Rider. Merci beaucoup mille, mille fois pour ton soutien aussi. Je te redirai. Je te confirme ça en MP. Ça euh... va que c'est un antique, hein? Mais c'est la première fois que ça me fait ça, les gars. Hein je peux même pas les vérifier ce qui est sorti parce que je peux pas quitter. Ouais, ça, non, mais tu crois, ça, Guy? Je, je rouvre ma box, j'ai une Lily. Je réessaye? Je réessaye. Après, il vaut mieux que ça arrive chez moi, les copains. Moi, ça me foutrait les boules que ça arrive à, à l'un d'entre vous pour qui joue. Mais là, ce qui est bien, c'est que du coup, vu que je suis en train d'enregistrer et que ça va être rediff, là, là, j'ai une preuve, hein. J'ai une preuve, hein. On ouvre un? Ah, Lady, elle, elle est motivée. Tu m'as, tu m'as chauffé la piste, Lady, on y va. Ah bah non, je peux même plus cliquer. Complé en PLS. Ah non, non, là le jeu il a freeze. Il a freeze totale. Total, je peux même plus cliquer. Ah bah non, Nishi. puis Alors avec... Euh... Si t'as raté quelque chose dans mon invoque Premièrement la naine rare. La deuxième, mystère. Mystère total. En on peut relancer, hein. Ah oh non, je passe pas en dernier, là, j'ai juste essayé de me connecter à mon compte parce que en fait depuis tout à l'heure euh, les connexions sont complètes en PLS. Ouais, ça doit être les serveurs, ils sont en pleine canicule comme dit judo. Et là j'arrive. Je sais pas. Arrive à se connecter, mais euh, le, le jeu était complètement complètement en PLS. On va les vérifier, je vais quand même aller voir ma box, vous vous doutez. Je vais aller voir s'il n'y a pas un petit légendaire qui s'est glissé dans ce char de mystère. Attendez, est-ce que déjà, est-ce que j'ai toujours 6 éclats Ouais j'ai bien six éclats hein. donc 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 pas de point rouge pas de point rouge tornado c'est à dire que je me suis fait rouler hein. au Groenland Spitfire ou quoi j'espère qu'il les a arrosés après euh, au moins brumisé bon on va peut-être arriver à, à ouvrir on continue ça a l'air de marcher à peu près normalement là j'ai quand même pris un éclat dans le fût Ouais je pense que ça va être un rare que j'ai déjà après c'est impossible de le vérifier là. J'ai du bien un peu à la fraîche ça, 19 degrés un peu de pluie. Allez, moi je pense je, je mise quand même sur 8 rares. Hein. T'as raison hein là que Je lui ai demandé ça en compensation. Hein. Ah mais lui il a le skin de vogot, mais c'est une pure jasse. Ah il aurait fallu que je fasse avancer le pp, je les vérifie pas les rares. Ok, on va faire un épique ou quoi sur 8 éclats Je crois pas hein. Galette. Et le petit dernier pour le panache. Allez, fidèle à moi-même sur ce compte. 8 éclats. rares. Ouais après j'ai pas le poids du russe euh, qui avait pleuré pour son draco. Hein. Ah mince pub, 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 pub. Euh... Pub pub. On va rien ouvrir tant que la pub est en cours. Oh, putain, ça me saoule cette histoire. Comme les pubs YouTube, il y a des fois ça se met, des fois ça se met pas. Moi je mets juste m'y activer et j'y comprends rien ce truc. Bon. Ça me dit rien du tout j'ai pas eu rasin et par contre je, je pensais que c'était mon deuxième rasin hein. mais j'ai une surprise c'est mon troisième mon troisième voilà voilà donc un troisième rasin ne sert à rien peut-être que non ils n'ont pas encore modifié là donc ça m'intéresse pas C'est-tu Guif que je peux vérifier en rediff après en regardant combien t'en avais avant l'invoque. Ouais mais j'ai pas regardé ma box avant dans, dans le live. Je peux pas te dire, on est tout de suite allé sur les éclats, ça voulait plus fermer, donc du coup bah, j'ai ouvert quoi. Euh, je pourrais même faire un rasin plus 2, c'est le pp tapator. Hein. Tapator. Peut-être que... bien eu un rare j'ai eu la validation des trois éclats l'as vu Oui, euh... ouais mais là là tu l'as vu quand on l'a dit alors là ils nous ont fait quand même un, un sacré truc bon on va aller chez sire comme c'était prévu initialement avant que le... le jeu se mette en pls salut snoop alors tu as raté un éclat fantôme chez moi très très important un éclat qui a été ouvert mais il ne s'est rien passé il a disparu euh, sans plaisanterie sinon euh, mais c'était pas une plaisanterie ça s'est vraiment passé sinon euh, on a fait 75 éclats pour commencer chez Picard et on a sorti on a sorti Calvalax et trèfles euh, sur le finish ah, ça s'est affiché bien vu Lady faut faire attention à ça et ah, il est en mode bisou. T'envoie des bisous. Ah là là, regarde. Pourquoi ça se connecte chez moi et pas chez toi En fait, il y a des comptes qui ont le droit de se connecter. Allez là. Eh, ouais, mais regarde, j'ai réussi à me connecter chez moi. Chez Sir, ça veut pas. Euh, Raizuki, je te réponds euh, sur euh, logs, pardon. Euh, je te réponds sur euh, Discord là pour les logs. Ah ça y est. Salut Frankie, bienvenue, bienvenue. Ça se trouve c'est ça les idées, ils sont plus ou moins verrouillées. Bon là on a 127 éclats. Un beau petit stock. Merci pour ton troisième mois d'abonnement mon cher rider. Merci toi. Et regardez, on se retrouve dans la même situation. Je ne peux pas quitter. Je ne peux pas quitter. Euh... Alors Nishi. Mais je, je... Non, non, il faut que ça tourne normalement là, c'est pas possible. Hein. Euh... Sage Guerre, elle va être intéressante dans certains domaines, mais en mode platine sur l'arène. Et euh, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vu aussi dans certaines compos d'Hydre, mais dans des rotations bien spécifiques. Bon, grosso modo, c'est une championne qui est très très situationnelle. Te sur un éclabreux, je vais avoir du mal, Kazia. Bon, si, si ça veut pas sur ton compte, on va peut-être tester une autre connexion. Euh Mais moi, je me suis fait voler. Je vais demander une dudu en compensation, hein. Je vais demander à la responsable des, des community managers, là. J'ai dit, oh, 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 moi, je veux une dudu, hein. Non, je dis à toute la communauté française qu'on a, on fait la grève du portefeuille. Faut claquer les fesses. Je pense que c'est Plarium Play. Bon, allez, je fais une dernière tentative, là. Bon, allez. Terminado, on va aller tenter sur le, le secondaire de notre amitage. Et merci Lévite pour ton gift sub à monsieur DJ Snoop qui envoie des cœurs à tout le monde. Il est en mode love, DJ Snoop. Du coup, il s'est pris euh, Il s'est pris un sub. Allez Est-ce que sur le compte secondaire, on va y arriver Oh là là là. Tant que ça passe, Yas. Tant que ça passe. J'en ai fait des runs aussi longs sur Borgote. Des fois, il y a Valkyrie qui est toute seule contre lui. Je reviens. Au bout d'une heure, elle est encore là à, à le taper. Oh là là. là. Qu'est-ce qu'ils nous font Attends Nishi, t'as pas de lance-guerre non plus, pas de lance-guerre, pas de Demita. Sans parler de. Ah nous je t'ai passé au bon moment. Hein. Bah après, en général ils il, il arrivent à résoudre ça assez rapidement, mais là ils sont, c'est grave là. Ah ouais, t'as raté le Helicat en fusion. Celui, il valait la peine. Sinon, il valait la peine. Bon, je ne sais quoi dire, quoi faire. Je vais changer comme il y en a qui font là. Je vais passer en, en mode discussion et puis euh, je vais faire de la SMR. Vous êtes prêts Je vais lécher mon micro. Je vais faire des tout petits bruits. Je vais me mettre en bikini. Et euh, bah ça sera le temps euh, que Perium revienne euh, dans le coup c'est quoi ce délire allez le subdeck bah pour looter de la purge il faudrait quand même qu'on puisse se connecter non incroyable <laughs> de la SMR avec ça, ça me fait délirer ces trucs délirer Allez là! Et je peux pas mettre saint Seiya parce que, regarde, il n'est pas fait pour mon truc là. Ou alors il faudrait que je change complètement de. C'est-à-dire qu'il faut que j'enlève le chat aussi. Bah, attendez. Force de cliquer comme un neneu. Ah, il, il, il manque... Tu sais quoi la piscine gelée Il manque les petites boules en plastique là, comme pour les gamins. Le bikini, je bah, l'ai, les talons aiguilles aussi. C'est ça, amourante. Voilà. Mais après, nou... apparemment, c'est nouveau délire faut lécher le micro aussi, faire des petits bruits d'oiseaux. Très important. Ah, excusez-moi, mais... Bon, je vais pas faire... Euh... Moi ça me choque. Enfin, ça me choque. Et puis, et puis honnêtement, euh, je, je, je veux pas dire du mal du physique des autres. Mais euh, elles, sont, elles sont... Bonnet F, complètement retapées. Euh, elles, elles ont des gueules de traviole à la limite... Euh, proche du transsexuel, Moi ça me, ça me dépasse. Pas ah bon. Si vous voulez, on fait le débat là-dessus. Hein. Mais non, on a réussi à se connecter. On est sauvé. On va pas être obligé de parler de ça. Euh, et donc, on est donc sur le compte secondaire de Tajmir. Et là, ça a l'air de... Bah, de tenir. Hein c'est un peu ça, c'est LPP. C'est un peu ça. <laughs> c'est un peu ça. Bon, 50 éclats. Euh, 50 éclats, 50 éclats. Qu'est-ce qu'il nous demande Tajmir sur son compte secondaire, du coup Il nous demande le papa sur son compte secondaire. T'as 3 secondes pour nous donner un. Une wishlist, donc ça, ça va être rapide. Mettre Hugo, ça rentre en trois secondes. Oh bah chez toi, j'ai cliqué 28 mille fois quand même Tajmir, hein. Mais ça veut dire que là c'est revenu théoriquement. Alors ça fait, je l'ai déjà fait Dino, c'est que tout marche bien, tout le monde te dit ça bug, tu dis c'est bizarre que ça bug, je vais quitter, et recommencer. Et tu relances et là, bah terminé. Je peux plus non plus. Euh, une Lily, ouais bah ouais, une Lily bien sûr. Ouais. Aucune idée de pitié 50 éclats. Il y a déjà Lady qui a balancé qu'elle allait avoir un leg. Ça en général sans plutôt pas mauvais. On a quelques legs en stock qui sont pas encore EP. Je vous laisse 10 secondes, les amis. Je compte dans ma tête pour effectivement euh, dire combien vous pensez qu'il y aura de legs. S'il y en a, bien sûr, sur les 50 éclats du compte secondaire de Monsieur Tajmir. C'est sport, c'est sport Narc, J'aurais dit pareil. Toujours pas assez LPP. Garde Royale est probablement le seul épique qui manque du jeu. Il y a des anciens. Bon, alors globalement, c'est un leg. Vous êtes ambitieux, hein. je vous rappelle les stats. Après, il connaît pas sa pitié, donc peut-être que. Hein. Peut-être que. Bon, un leg en moyenne, il y en a même, y a même Tornado qui est quand même plutôt euh, très optimiste. Et un garde royal, ça me ferait mal quand même. Mais écoute, pour toi, Tajmir, je veux bien le sortir. Hein. Par contre, Lady dit un leg tout pourri. Ouf. Bon, on va voir ça. Mon cher Tajmir, que la chatte à DD soit avec toi. C'est parti. Ah non, chien, hein. quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Là, on a des chercheurs. Hein. Même des chercheurs Tajmir, tu dis que tu prends tout, même des chercheurs tu prends. Et tout le monde l'a chopé, il y en a même, combien il y en a qui m'ont montré des... Parce que, il faut quand même dire que la communauté française est bienveillante, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de soutien, beaucoup d'échanges positifs. Mais tout le monde sait que j'ai pas de garde royale et pas du dudu. Et le nombre de fois où je me fais troller ou, ou euh, poké. regarde Pierrot ce que j'ai invoqué et je vois une dudu. Ou alors regarde Pierrot ce que je vais food, je vois 5 garde royales. Comme ça. Hein. Après, heureusement, je ne suis pas. Pour me... pour me. brusquer, mais quand même. Euh, des chercheurs 60, ça se fait, Rider ouais, Effectivement, quand on veut speedrunner l'araignée, la... j'imagine. Allez, personnage, baronne infernal. non. Je dis non. Ah, un petit bon image Alors, rien n'est perdu, geek Rien n'est perdu, je peux y... encore y croire. Le petit Venima, je ne peut-être pas, celui-là, sur ton compte secondaire, Ah, Je compte plus, Nishi, je compte plus. Euh, plus de 3 ans de jeu, euh, pour que arriver à passer à travers, c'est que là, il y, y a un complot. Là, tu as déjà de la petite étoile. En tout cas, on fait de l'épique. Hein. On fait de l'épique, mais il y a beaucoup d'épiques en carton, quand même. Hein. Mazamoto, Masamato... pardon. 1 il pue et il a besoin de 6 8 boucs <laughs> il a besoin de 8 books sur 1 hein, le type incroyable bon là c'est de la réduite d'attaque c'est même pas garanti ça finit par l'avoir charme c'est le pp allez 20 éclats oh, ben, je pense que dino il doit être euh, il doit être sous l'eau là hein. Ça se trouve le x2 il est même désactivé, tu sais quoi Ah nous, bah écoute, moi je suis désolé de te dire, j'en ai fou aussi les MMC. c'est un... Force. Euh... Allez, on fait un strike. Régnier, Mire en fer. Oh là 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 là. Ah, une petite rectrice. Là, j'allais dire, on a que des épiques claqués au sol, mais mais il y a une rectrice. Peut-être que tu l'avais pas, tâche. Peut-être que tu l'avais pas. Ah oh, le double t'il là, déjà rien, je l'ai même pas en x1. Hein. moi ça me ferait mal de l'avoir en x2. Hein. Bon je rase, hein, tu me diras. Rectrice, y avait la on va les vérifier dans le catalogue. Alors personnage on n'avait pas, on s'en fout. Briscage on n'avait pas, on s'en fout. Des chercheurs, ça peut servir. Enfer, on s'en fout. Araignée, on s'en fout. Ah bah non, rectrice, t'avais pas. et eh non, rectrice, t'avais pas. Ça c'est propre, rectrice. Ça, ça a bien te, bien te carré. Mazamoto t'avais pas, on s'en fout. <laughs> c'est comme, c'est comme Fenrir avec ses délégaius c'est le Bon, bah voilà, cool. La petite rectrice. Bon, beaucoup d'épics, beaucoup claqué au sol, malheureusement, mon cher euh, Tage. Euh, rien de bien neuf, pas de légendaire. On aura monté la pitié. Et on va essayer. Alors, est-ce que c'est ton compte qui est maudit, Sire euh, parce que chaque fois qu'on a un peu insisté sur d'autres comptes, c'est passé. Alors, tu peux pas dire ça. Et les Gaius, il va être intéressant quand tu vas jouer contre trois valkyries, C'est-à-dire dans un étage, dans une vague. Non, il sert à rien. Je l'ai bouqué. Je, je suis en colère. Moi, je l'ai bouqué quand j'avais vu que Iragoth allait sortir. Je l'ai bouqué. Donc, non, je suis en colère. Et les Gaïus, c'est une purge. qu'il allait fonctionner contre le Là, il sert à rien. Il sert à rien. C'est un, un des rares champions que j'ai en légendaire. 60 full book dans ma chambre. Ça, ça me rend fou. Ah, oh, mais c'est pas vrai. On est maudit. Incroyable. Il y, a, il y a des fois ça passe et des fois ça passe pas. Ton compte a l'air d'être maudit si euh, là, je sais pas ce qui se passe. Ah Ah Gorgé de sang, gorgé de sang ça peut être intéressant early limite Game, après on, on l'enlève parce qu'il peut... son bloc reste peut être intéressant quand même. Pourquoi tu l'as pourquoi tu l'as booké Rider Tiens, ça m'intéresse. T'as fait la même bêtise que moi Tu as cru sur Iragote Bon, allons-y. On peut voir la box sans que ça bug. Ok. Ah bah tu vois, mais après on est, des, Riders, on est des visionnaires, mais en même temps, on est des visionnaires parce qu'on a lu la trad et on voit qu'il est soumis au, à l'augmentation du temps de recharge des compétences. On se dit mais c'est parfait, il est fait pour lui, il est Gaius. Il était sorti peu de temps avant la fusion. Et en fait, bah il y a besoin d'avoir de la vitesse, de la résistance, de la précision pour que tout soit calé. De toute façon, il a un système iragote qui permet quand même de Réinitialiser quand même ses compétences. Bon, allez. À part effectivement euh, dire qu'on lui fait prendre l'air en, en guerre des factions, il sert à rien. sert à rien. Bon, on commence à connaître la très belle box, tu vois, regarde-nous, chien. Hein. On a des doubles Hugo, hein. Quand je te dis que Hugo sert à, à quelque chose. Très beau champion. Donc là, on est sur ton compte principal. On est sur le compte principal de Zoro. Et on a 127 éclats, les amis. À votre chat, à votre clavier, à votre avis, combien y aura-t-il de légendaires chez notre ami Zoro alias Sir dans le chat Je vais aller en profiter pour aller voir ce que tu m'avais donné comme pop euh, pop comme wish list. Alors, épique rien de spécifique je me doute. T'aimerais bien Valky, Lissandra, Draco, Grobile, Kyoku et Dame Kimi. Ok. ça peut le faire ça peut le faire alors 0 pour lady 4 pour mamat ça peut aussi 4 légendaires hein. et dont 60, 66 sur la pitié donc il n'y aura pas de piti hein. donc le 0 de lady est peut-être pas euh, si galvaudé que ça en moyenne. Ouais, un, ça me paraît juste. C'est les stats. Hein. Deux, on est ambitieux. On l'a fait chez nous. Euh, Picard avec 75 éclats. Donc ça, ça doit pouvoir le faire peut-être. Avec un peu de chat à D&D. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'étais un petit peu en... Allez. Je vais voir la chambre de Monsieur Zoro. Sûr, hein. Tiens, tout à l'heure, c'est Oden, qui passe souvent sur le chat, là, qui me disait qu'il est sur l'hydro brutal. Ils étaient tous avec Sigmund. Je crois que tu m'en avais parlé d'ailleurs euh, de ton côté euh, aussi, euh, Zoro, non T'es parti à fond sur les contrats, du coup. C'est pour -ce bon ça que tu mises le 4, tu, tu souhaites autant de chance. Euh, bien, 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 bien. Ah mais tout est... Tu sais quoi mon, mon Twitch, il est cassé en deux, c'est le LPP. Les pubs, elles viennent, alors j'en veux pas. Euh, les, le bot, il fait même pas ce que je lui demande de faire. J'ai passé 10 ans dessus. Voilà, j'ai réussi à mettre un overlay pour qu'on ait un truc à peu près qui ressemble à quelque chose. Le jour où je dois en changer, autant dire qu'il va falloir que je pose une semaine de congé avant m'en sortir. Donc, euh, bref, je ne touche plus à rien. Je laisse un bot qui ne sert à rien, qui met des messages, je clique sur ce lien alors qu'il n'y a pas de lien. Et puis, ça ira comme ça. Allez Que la chatte ADD soit avec toi, Zoro, comme dit Judo. On y croit. 127 éclats. C'est parti. tendu bleu, hein, habituel. habituel. Ah, Basterka et Bergaz, c'était les mêmes. Bon. Bon, bon, bon. Monsieur, euh, monsieur je mets des... Provoke de 3 tours avec un cooldown de 2 tours. Bon moi je l'ai, hein. je l'ai mis euh, 60 il n'y a pas longtemps parce que j'ai dans un entraînement de champion. Et euh, bah voilà, il me sert que sur le dragon magma, mais tu sais pas si tu l'as. On va aller vérifier, 4 éclats, un petit lag. A priori tu l'as. Hein. Du coup, dans les gardiens de faction, c'est quoi Non, c'est pas un, un... un homme lézard, lui c'est un marcheur de peau. Allez, 10% d'attaque pour les marcheurs de peau. Bon, maintenant on connaît la pitié, effectivement. 123 éclats pour ta pitié si on tape pas de légendaire, mon cher sire. Il retourne C'est le pépé. À part sur euh, le dragon magma, euh, moi. Oh là là, Gizou. Non, non, il doit même pas sortir, lui. À part sur le dragon magma, moi je vois pas trop où on peut s'en servir, en fait. C'est un peu. Euh... Un peu gênant. Non, oh, pas en poulet non plus. Pour faire un seigneur de guerre plus, un, Qui sait Ouais, aucun intérêt. Allez, les choses sérieuses, même si on a déjà tapé un légendaire. Et il avait pas fait ragache. Il avait pas fait ragache, mon cher Zoro. Regarde qui c'est qui tombe. Incroyable. Incroyable. Il avait pas fait les 150 éclats, mais ça sert à rien de faire les 150 éclats, les amis. Bim, le Tigrou qui tombe. C'est beau ça C'est beau Et tu l'as senti Franchement Sire T'aurais eu un tout petit peu plus de gemmes, t'aurais peut-être été tenté de prendre les 33 éclats manquants là, ça aurait fait quoi 1800, 2700 gemmes Ah voilà Effectivement Effectivement il a même pas besoin d'avoir rasin pour avoir ragage lui c'est fou Bon bah écoute ça, ça, c'est du sacré mob. Hein. Ça, c'est du sacré mob, quand même. Alors, moi, il manque ce petit bouc qu avant que j'aille le sortir. Ouais, mais tu vois, si a... pour moi, c'est un des meilleurs. Franchement, ça va être un, un des meilleurs euh, légendaires euh, hors néant. Euh... A priori, il fait même encore plus de dégâts de sans âme. En tout cas, ça se discute. Au champion défense, donc ça va être... Euh... Très très fort, Agage, très très fort. Tu m'en diras des nouvelles. Moi, je sors le guide début de semaine prochaine. Si j'obtiens mon dernier bouc légendaire. Parce que j'aimerais bien euh, effectivement faire un guide comme ça. Avec lui. Allez De la même judo. Et j'avoue que là, on a fait quoi 17 éclats de légendaire. On est pas mal, hein. Donc attends, il était là. Il était là, il était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16. Donc t'es à 16 de piti. Ah, oh, j'en doute pas, Nishi. Je pense qu'effectivement, il doit cogner très sale. Eh bah ben, regarde. Exactement, nous, Moi, j'ai été, euh, été vraiment pas vernis. Et puis, finalement, ça tombe chez les copains. Moi, je préfère. Hein. Je préfère. Et on fait de l'épique. Peut-être un troisième Leg Rider. Peut-être. Oh, ça, je le sens, le strike. Ça, en général, bah, ouais, ouais, on les voit venir, les strikes. Ils sont pas filous, quand même. Hein. On commence à les connaître, on sait quand ils vont nous taper un strike. Hein. Mais non, les dit mais non, t'aimes bien avoir du jaune. T'aimes bien avoir plein de jaunes qui brillent. Oh aussi, d'ailleurs. C'est un Conelia, on est en x1000. Donc donc, donc euh, ouais, si ça se trouve, bah même si on fait pas d'autres légendaires, on, on va faire gonfler ta pitié. Hein. Au pire. Mais chez toi et chez les autres, Lady, je sais que tu es partageuse. Non, mais moi, dans un live, Nishi, j'ai déjà fait 4. Hein. Sur un, une ouverture à 10, on avait fait 4. Euh, tu vois, comme là, là. Ça avait brillé, brillé jaune 4 fois. Je ne sais plus sur quel live c'était, c'est toujours disponible sur YouTube, mais on avait fait effectivement 4 légendaires en 10. C'est assez incroyable. J'ai vu un. J'avais vu un screen passer euh, d'un joueur inconnu euh, qui était à 5. C'est pas le, le World Record. Bon, 40 éclats. Ah, chez Seb ou chez Ragnar, je ne sais plus chez qui c'était tombé ces 4-là. C'était chez Seb. Ah, J'ai pas vu qu'il a déjà fait un dans la même. C'est vrai que vu qu'il attend rien de particulier en épique, là je m'attarde je pas dessus. Ah, déjà deux c'est beau. C'est hein. que c'est 1% de chance, même au pire Tata Piti, boum, le deuxième il tombe. De toute façon, effectivement, avec Ragash, la semaine elle est déjà validée pour, euh, pour notre ami Mais hein. qui sait, qui sait, qui sait, qui sait. Ah ouais, tu rêves de Tila. On peut parler d'autres. Euh, Pixniel. Allez, on l'a vu tout à l'heure, Seigneur de Guerre, même si c'est pas le plus mauvais des, de se citer. Et puis, on termine par un petit Groak. Écoute, moi, si je vois ça sur les 4, j'aurais un peu du mal, quand même. car, hein. voilà, une petite patate. Ah Pixniel, je ne sais plus combien, mais... D'exemplaires. Ouais, chef de guerre, effectivement, c'est pas le même, pardon. H, elle sert à rien. Cornelia en x1000, euh, Judo. Même pas en x20, en x1000. Bon, voilà, on sort un hein, nouveau champion. Et puis, connaissant la box de notre cher euh, Zoro, sortir un, un nouveau champion légendaire et d'autant plus de qualité, bah, c'est pas évident. Bah, Daméresh, du coup, t'auras pas besoin d'attendre, hein. Je sais que ça, ça te rend très heureux. Et puis le petit burandjeri. Écoute. Tu as déjà euh, Samar. Donc aucun intérêt. Ah, Nobel. Porte bien son nom. Hein. Porte bien son nom le coco. Ah, moi, je vais finir un jour par le mettre sur, euh, sur le dos de ninja. Hein. C'est ça en fait, il faut que tu me fasses une wishlist à l'envers en fait. Bon, judo, on va chez toi si tu veux bien. Ensuite, on aura euh, Rider et on, et on aura Raizuki et ensuite on aura Pédipierre. Envoyer aussi ces trucs. Donc, je veux bien par contre pour vous trois là, euh, Raizuki, Ryder. Et puis, et puis, et puis... Toc, euh... toc, non, Judo, tu me les as déjà envoyés, donc c'est bon. On a dit qu'on est chez toi, Judo. On a dit qu'on est chez toi ou chez Ryder, je ne sais plus. Bon, on va chez toi, allez. Et tu vois, voilà, un bureau de tu n'avais pas besoin. Mais il est là. On va y arriver, Judo, on va y arriver, regarde. Lance, on peut y croire. Écoute, Tagada, ouais, ça prouve que justement il cogne comme un comme un cochon. Ça prouve qu'il cogne comme un cochon et cragage va être va être assez dingue. Alors moi je vais vous le présenter dans une forme, on va dire, un peu classique, mais je pense que je vais faire des tests au niveau de ces de ces, de ces artefacts, ces sets. Pour, pour voir un peu comment euh, vraiment il excelle. Pour l'instant, je l'ai fait un peu en mix avec de la précision, du dégât, etc. Mais je vais le tester vraiment full dégât, full précision, voir un peu ce que ça... Peut-être pas full précision, mais en tout cas full dégât. Ok, bah tu diras merci à Natalia, du coup, euh, Dino. Et ça remarche pour nous. Donc on a 71, 71 éclats pour Judo. Euh, moi, je ne l'ai pas mis en sauvage, c'est le PP. Je l'ai pas mis en sauvage. Alors, ouais, il fait 3,6, peut-être, et frac. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais en plus, il ignore Def. Hein. Il y a un peu d'ignore Def dedans. Hein. Bah, C'est pas à négliger non plus. Vous regardez aussi les bases attaques qu'ils ont par rapport à la base Def euh, level 60. Ah, il dure, la Luna. Ah, J'avoue, quand ça passe à pas grand-chose. Kimi, moi j'ai. Ah, ouais, t'as as quand même tenté, du coup Non, tu les as gardés. Bon 71 éclats, on regarde la box, je vous laisse quelques instants, très jolie box de notre cher judo, je vous laisse quelques instants euh, pour me dire dans le chat ce que vous pensez, Papa Pierre il fait une petite pause technique et je vous retrouve tout de suite. Alors, 152 piti, on aura forcément un légendaire déjà. A priori, on aura forcément un légendaire. Oui, on aura même forcément un légendaire parce que 26, 26 de ta piti, donc euh, 26 x 5 c'est sûr. Ben, je sais pas, Tagada, c'est ce que je vais tenter. On ai mis quand même un petit peu. Ben, ce qui est intéressant, c'est que souvent, les nukers qui sont en face, ils n'ont pas de résist. Donc, au moins, tu, tu peux contrôler les, les nukers. Vous verrez, hein, le guide, j'ai mis quand même pas mal de vitesse, beaucoup de dégâts, un peu de précis. Effectivement très beau. En tout cas, il me plaît comme ça. Il lui manque juste un petit bouc. Donc de legs hein, pour la plupart. Ok. Bon, judo, on va en voir un. Peut-être deux. Et donc, dans ta wishlist, Parakin, Géomancien, Mage de Mausolée, chercheur, MMC, Hugo pour les épiques. Euh, oui, bah écoute, tu lui feras un petit coucou à la Yumeko. J'étais bien content de l'avoir la arrivé sur ton dernier éclat. Hein. Je m'en souviens encore. Et pour les legs, une petite trunda. Tu ne dirais pas non, peut-être un effraque aussi, j'imagine. Allez, mon cher Judo, que la chatte ADD soit avec toi. C'est parti. Les poires, bienvenue. Allez, les choses sérieuses, c'est maintenant... Ça, ça commence par un strike, non Pas loin, si un hein, luthéa est missionnaire, c'est comme un strike. Hein. Harry, je vois pas, moi je connais pas trop les références. Harry, c'est dans quel c'est un manga, non? Alors, prêtresse de ruine, fidja, ok. tiens fidja, il faut que je fasse un guide dessus. Elle est intéressante, elle en dégâts, intéressante pour une épique et on coche pas des cases épiques là pour le moment. Hein. Allez. Hum, référence à, à League of Legends, je vois, je vois. Enfin, je vois le jeu, mais je ne connais pas. Donc là, on a, attends, on en a 31 d'ouverts. T'as dit que ta pitié elle était à combien 152. Donc on est à 183. Ok. Il en reste 40. Allez Deux m'a l'air d'être un peu mal barré. Mais bon, on a vu que Sire était capable de casser les stats. Voilà, oh, les épis qui sont vraiment claqués au sol. Hein. 193. Euh, là, normalement, on a peut-être des chances. 193. Là, on va passer à 6%, 11%, 16%. Il y a probabilité que ça tombe dans les trois derniers. Allez! Oh, Nari, 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 Nari. Bon, on tape un Géo. On tape un Géo. Et Géo, il était dans la wishlist. As les deux nains qui sortent coup sur coup. Doublons, Nari. Oh, je pense que tu dis yes pour le Géo. Hein. Oui, voilà. Tu dois dire yes pour le Géo. C'est marrant quand même de se dire on voit un jaune. On fait oh, et on voit un épique. Ah, c'est cool. Et la petite maîtresse lignes qui peut être pas mal, effectivement. Non, Nari il n'est pas inintéressant, mais je pense que c'est un doublon. Il a dû faire la fusion, non je vais voir. Ah non, tu l'avais pas fait la fusion. Et t'avais pas de Géo non plus, bah tiens Nari il est pas inintéressant. Hein. Provoque en zone. Euh... Ils peuvent contre-attaque sur lui en plus. Et avec son contre-attaque, il vole les buffs aléatoires. Ça peut être intéressant. Réduction de précision de résistance. C'est vrai que je l'utilise pas énormément moi, Nari, mais il n'est pas inintéressant du tout. Il peut s'utiliser en arène s'il est très rapide avec beaucoup de précision. Tu vois, typiquement, un Nari, tu le fous full précision, full vitesse, boum, tu balances la provoque sur tout le monde. Euh, s'il y a des buffs, tu vas, tu vas aller les voler au fur et à mesure. Bon, ça peut être une solution comme ça, quoi. Donc il était deuxième, hein. donc au pire Tapiti sera de 28. Allez, est-ce qu'on peut cocher peut-être un nouveau loge légendaire ou un nouveau épique Il y a des épiques, il y a des épiques, mais alors tous claqués au sol. Ah ouais, alors là c'est la, la brochette quoi. Galcul, Plume sang, Kunoichi, Ours Pot de Fer et Barotte... Euh. 7 moqueries, il euh, n'y bah a pas besoin du 7 moquerie, ça serait peut-être plus le mettre en 7 gel. Ah, pour qu'il reprovoque derrière avec sa contre-attaque, c'est le pp, pas bête. Pas bête du tout. Et en plus, il attaque sur son A2, donc il peut faire une attaque de zone où il reprovoque. Hmm. <laughs> Intéressant. Ouais, c'est la foire du trash épique. Allez, l'idée dernière, derniers. On fait des points, on fait des points judo. Hein. Comme ça, tu auras un bel habit trunda sans trunda. Oh là là, même faute de bord. Bon écoute. On va dire qu'on va se satisfaire d'un beau Géo. Parce que le reste, euh, Nari est cool. Hein. Pas du god tier leg mais Nari est cool. Euh, mais c'est Géo qui vient. Euh... Non, gèle, le gel, c'est s'il prend les coups, lui, pour qu'il gèle. Mais effectivement, s'il reprovoque en systémique, sachant que c'est un champion def, en plus ça peut être pas mal du tout. Hein. Est-ce qu'il a besoin d'attaquer pour placer sa provoque ah ouais, il a besoin d'attaquer, donc il y a quand même un... C'est pas la provoque de Molly, quoi. Qui, elle, n'a pas besoin d'attaquer, peut, peut provoquer euh, toute affinité sans problème. Bon, bah écoute, pas de miracle, mon cher euh, Judo. Heureusement qu'il y a eu le Géo, hein. Ouais. Géo sauve l'invoque. Mais bon, il faut pas non plus euh, sous-estimer notre ami... notre ami... Euh, comment euh, Nari... Alors, j'ai reçu tes logs, Raizuki. J'ai pas reçu encore les tiens rider. Je te laisse me les renvoyer. On va aller chez Raizuki du coup. Allez, c'est parti pour toi, Raizuki. Donc, qu'est-ce que tu m'as dit, ah oui, si tu m'as envoyé ta wishlist Pas fait de copier-coller cette fois-ci. Il euh, y a quand même des épiques dans la wishlist. Qu'on va pas faire des épices claquées au sol comme chez Judo, qui en a eu beaucoup, mais très pourri. Euh, bah écoute, je t'en prie, Judo. J'aurais aimé faire un chouïa plus. A fait le leg de la pitié. Donc 28 pour ta pitié désormais. Il y a 15 pour notre ami Rezuki. Donc il y a des probabilités de chance que. Ne sois pas dans la pitié, ça c'était à 185 éclats, non, 60. Ok, T'allais allé chercher ragage du coup Peut-être, eh ouais. Encore un stock, hein. Encore un stock. Ouais, pareil, c'est le PPE. Après, il est un peu chips, un Gamebo quand même. Hein. Il est bon, mais un peu chips. Bon, attention les yeux, ça pica ses amis. Il y a du très, 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 très gros dans la, dans la box de notre ami Raizuki. On va en profiter pour parler de sa wish list, puisqu'il y a encore des épiques et là qui lui feraient plaisir. On va parler de charme et de chercheurs en épique, et de Rotos, Badel, Valky et Sicia pour les légendaires. Oui, parce qu'une Sifis en Rotos, c'est pas pareil. Hein. pas pareil. Mais ça me surprend, par contre, t'as pas du tout de charme. Oh là là, c'est rude. Je peux rajouter Hugo aussi. Ah non, c'est Zénar qui dit ça, pardon. Sérieux, pas de chercheur non plus. Oh c'est dingue ça. Ah il y a la pub. Il y a la pub, on n'invoque pas les amis. Je vous propose, pour ceux qui m'entendent encore. Ouais, il a très peu de PV. Bon après en même temps il a aussi son bloc... Euh... Il a aussi son bloc euh, enfin, le truc qui l'empêche de crever quoi. Salut Shazam, merci pour ton follow. Myth deuxième, bienvenue à toi. Salut tu Comment on va Ah le bloc te sauve la vie, Zenark Ah ouais, quand on n'a pas le charme les vite. Je sais que justement, c'est le PP, en parlait tout à l'heure, il a galéré à la voix aussi. Hein. Il a galéré. Ok, donc 60 éclats, on va attendre. Que tout le monde ait fini la pub. On va attendre le lanceur d'alerte. Hein, c'est LPP. Non, il nous a mis rose, c'est bon. Ok. Euh, c'est peut-être le prime, ouais, parce effectivement, a priori, de ce que dit ShazUp, Adblock ne, ne bloque pas les pubs Twitch. Donc ça fait. Un légendaire pour Cire Tornado. Quelques instants pour voter dans le chat. Pour me dire combien vous pensez qu'il y aura de légendaires. Sachant qu'on ne sera pas dans la pitié. Rotos, Badel, Valky, sicia pour les légendaires. Et Charme et Chercheur pour les épiques. Charme, Chevalier du Feu. Charme, Borgotte, euh, enfin, voilà. Salut Amazing, salut Godrine, bienvenue LPP toujours aussi optimiste à ce que je vois. J'ai déjà vu voter pour un leg, toi. Donc, même s'il y avait la pitié, je t'aurais dit 0. Merci pour ton follow, Godrine. 1003. Et attends, il va falloir que je, je, je commence à compter avec 1000. Il y a 1, 1002, 1003. On est entre 0 et 1. Ouais, bon, après, déjà, s'il y a 1, les gars, on peut, on peut s'estimer content. Allez, on y croit, mon cher Aizuki. Que la chatte ADD soit avec toi. C'est parti. Alors, on va surveiller les violets. Oh là là, avec Connelly, elle est partout. Oh Ah, ça tombe direct, les légendaires, comme chez Zoro tout à l'heure. Incroyable. Bon, un Roi garogue. Je crois que c'était pas ce que t'aurais aimé, euh, Aizuki, ouais. Pas si ça compte comme leg. je sais pas, Dino. Il va falloir que j'économise. Bah là, maintenant, je vais le faire. Hein. Depuis que Garnet elle est tombée, là, on m'a rassuré sur le fait que c'était euh, une dingo. là Hayden m'a dit ça, donc là, je la monte et j'économise jusqu'à mi-septembre pour les éclats. Bon, 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 au moins, c'est pas dans la pitié. Voilà, on va voir le côté positif. Ce n'est pas dans la pitié, Raizuki. Donc là, tu as trois de pitié maintenant. Voilà, Guardian Ring pour les orques. Allez un petit strike, voilà, comme d'habitude, un strike, Perium. Eh ben non, pas un strike, mort de caille aux forêt. Bon, ok. Soit ils veulent me faire mentir. Hein. Ouais, t'as bien bien économisé, Dino. hein. de fois que le champion sera bon. On attendra vraiment le bon champion, je pense, pour le faire. Hein. Euh, C'est un lac qui vaut 0 mais pas pour la pitié, vite. Malheureusement. La Piti fait pas de différence si tu sors Tila ou si tu sors du du. Bon On continue. Salut monsieur Gjeldorien Dorian, alias Sétis, comment qui va Euh bah nous Picard, t'as moyen de boucler 2 hein, pour moi. Hein. De, si j'ai bien vu le nombre de boucles, t'es euh, Moyen de boucler 2. Qui c'est qui m'a dit que la Naki c'est l'envoyé du, du très lourd sur la... Merci Rider. Ouais bah le Garden Ring pour l'Elfe noir c'est propre ça. Hein euh, mais qui c'est qui m'a dit qu'elle était dingue sur euh, sur la... Sur l'Hydre. Sur la rotation 2 t'as bien C'était toi ah oui, tu m'avais envoyé la vidéo, tu sais que je l'ai mis justement dans les choses que j'ai à faire et j'ai pas encore jeté un coup d'œil. Compte à moi, faut que je le fasse. Bon, deux légendaires encore, piti, donc là, on est à 7, il nous en reste 20. Ouais, si tu peux bouquer les deux, fais le nous, hein, très clairement. Je t'en prie, je t'en prie. Allez, on continue. Comme quoi, hein, en 60 éclats, on peut voir deux légendaires. Je sais pas, Papyrou éclat 8 rares oui je te confirme dis non on va essayer de faire ça trimestriellement ouais mais pour moi il faut vraiment attendre le bon parce que si on pète pour péter et que les légendaires il est en mousse rien quoi la nakis ça au début en bdc quand on l'a c'est cool hein. ça peut être cool toi qui vois Dino, hein, te sens pas obligé. Moi je, je dirais effectivement vers la, je pense début, début septembre, hein, le, le, prochain légendaire, il y aura, ouais, sur Awaken. Il y aura légendaire, il y a toujours un nouveau légendaire, c'est en début de mois, je crois. Donc, euh, ouais, on va dire début septembre, mais faut voir s'il est bien ou s'il est, s'il est pourri, quoi. Allez, les dix derniers. On a quand même fait deux legs, peut-être trois. Déjà deux, c'est fort. Et pour l'instant, pas de chercheur, pas de charme. Aïe, 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 aïe. Oh, bon, donc du coup, on monte les gardiens de faction. Elfe noir. et eh, 30 précision 30 précis C'est bon ça pour Dame Lydia, entre autres. Pour Dame Lydia. Et pour les orques, eh ben, t'avais pas encore doublon. Je le mets comme ça, après t'en feras bien ce que tu veux, évidemment. Ah Yes light Spirit, ça marche. Bah écoute, ouais, n'hésite pas. Je vais faire un petit appel groupé là. Une fois qu'on a qu'on a réorganisé le plan, je te un petit un petit message groupé. Bon bah voilà, du leg, du leg, du leg et du doublon, du doublon, du doublon. Ouais, mais bah tu vois, c'est comme moi là. J'ai eu Garnett complètement au hasard sur mon premier éclat, hein. Ça, qu'est-ce que veux-tu? Bon, on part chez notre ami Ryder pour continuer. Hop. Bon, pas de folie, hein, je t'aurais pas envoyé du rêve, euh, mon cher Aizuki, mais je t'aurais quand même sorti de l'aigle. Ah. 60 oh, éclats, qui l'eût cru Ouais, surtout pour la 30. Je pense que le petit 30 précis, 30 résiste, là, sur les elfes noirs, il fait plaisir, celui-là. Comme moi, quand j'ai pu passer, là, j'étais trop content d'avoir mon dernier doublon sur les hauts Pour pouvoir passer mon arbitre en boost vitesse, c'était cool. Je comprends, je comprends. Ah, Dino, bah ouais, mais il pousse à la conso, euh, Raid aussi. Hein. Euh, oui, 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 il faut que je la fasse. Je ne l'ai pas faite, mais il ne sera pas book. Hein. Je préfère prévenir. Je garde mes boucs pour Agache et puis il me reste un, un autre champion à finir. J'ai tourné pour ceux que ça intéresse aussi le guide sur Archevêque Pintroy là. Euh, je ne sais pas encore quand je vais le publier, mais il est prêt. Et franchement, il est dingo ce champion. Il est vraiment dingo. Bon, on a combien d'éclats chez notre ami Rider 50. 50-50. On en profite pour découvrir un peu la box. Là pour les guides. Euh... Cetis, euh, ouais, il y a Ragage qu'il faut que je fasse là, donc Ragage, je vais sortir en début de semaine. Je pense que, donc lundi, mercredi, je pense que je vais sortir du coup le Drang. Et puis, euh, et puis voilà, et puis euh, on, verra, on verra la suite. Pétition pour les Void, Pierrot sur les x10. Non, franchement, x10 Void, moi je trouve que ça va. Ils sont raisonnables, c'est sur, les... sur les autres x10 que ça pue. Il ah, y a tellement de légendaires. Euh... Avance plus les calculs sont, sont faibles pour taper le légendaire que tu cherches, tu quoi Tu as une chance sur 100, ouais. c'est bon quoi. Donc, un pour judo, voilà, à vous prédit les amis dans le chat. Pity à 64 pour Rider, donc il n'y aura pas de Pity et on aura 50 éclats à ouvrir. Donc, ce ne sera que de la chatte à DD, comme raizuki on l'espère. Et donc, pour ce que tu aimerais. Tu attends rien. Bon. Aucune attente particulière. Les deux sont sortis, nous Picard. Tu peux y aller. J'ai couvert Hugo, j'ai couvert Calvalax, effectivement. Il y a un guide qu'on réclame beaucoup. Belle Duchesse. Je peux pas la couvrir, ce guide. Ah, c'est top, ça. Troisième Hugo. Nickel, Shemnat. Et c'est la, c'est la Nena qu'on a vu. Tierra la, Shemnat, la... Shemnat, c'est quelle faction ça allait vite? Bon, ben Ah oui, alors elle, elle m'a pas marqué, fais voir. Ah hein, hein, ouais, ok, donc elle a passé à réduction de dev. Transfère tous les buffs de cette championne sur une Sylanie, attaque 3 fois cet ennemi, première frappe augmente d'un tour à la durée de tous les debuffs. Ok, augmente également d'un tour la durée de tous les buffs de cette championne après l'attaque. Et attaque deux fois tous les ennemis, la première frappe retire tous les buffs. La seconde frappe ignore 20% de la défense de contre les signes n'y pas de buff actif. Non elle est bien notée euh, la cocotte. C'est vraiment la statue de la liberté quoi. T'as raison, Dino, vaut mieux économiser hein, quand à ce qu'il faut, autant les monter, et puis voilà. Hein. Et trois géos aussi, ça peut faire l'affaire, Nishi. Hein, moi, je les utilise pas tous euh, mes géos. Ça dépend. Autant mes, mes trois chamelles, ça des dé... oui, quand il y a besoin, mais. Ah bah le jour, eh, les gars, le jour où je sors le guide du du, je en ferai un petit événement. Hein. Comptez sur moi. Bon, je la trouve pas folle, cette chaîne moi, sur le papier. Je sais pas si t'es vraiment content, Lévi, ou si c'est un troll. On va aller ouvrir donc les 50 éclats de notre ami Rider. Aucune attente particulière. On va remettre ça dans les mains de la chatte ADD, et puis on verra bien ce qu'elle apporte. Qu'elle soit avec toi, mon cher Rider, la chatte c'est parti. Quand tu vois que tout le monde là, Nishi, tu commences à te poser des questions. Hein. Ah, en hydre. C'est vrai que j'ai pas pensé sur l'hydre. Bon, bah, tu vois, t'attends rien, ça tombe bien, y'a rien. On va faire un deuxième strike Non, quand même. Et, qui Ok. Pour l'instant, tout le monde a eu son légendaire, je crois. Sauf Papa Pierrot hein. J'aime bien. Ah Ah bah voilà. Tout le monde a eu son légendaire, sauf papa Pierrot. Bon, après, je garantis pas la qualité. Il hein. n'y a pas de repris ou échangé. Mais... Il y a un légendaire hors piti. Eh oui, que voulez-vous Donc... Euh, ah <laughs> J'aime bien les... J'aime bien les commentaires. Il attendait rien, Ryder. Bon, bah voilà, un doublon. Hein. Un doublon pour, euh, pour le ring du gardien. Fais voir sur les hommes le... C'est marcheur de peau. Hein. Allez, bah t'as gagné 10% de PV sur ton Cléo. Ouais, encore Ignasius, euh, ouais. Autant Draco et Lissandra à fond, mais... Voici bah, si, il y a eu quelque chose comme c'est le PP, c'est un légendaire. Hein. Après, il était pas dans sa pitié, donc... Euh... Ça va, hein. C'est pas, pas un mauvais légendaire, hein. C'est juste qu'il est gratos, quoi. Un peu le problème. Mais tout le monde a eu son légendaire. J'insiste là-dessus. Tout le monde a eu le droit à son strike. Ça fait quand même le deuxième pour Rider. Ouais, c'est la, la soirée, ma chère de pause, si, t'as raison, hein. le Ragash. Le seigneur de guerre. Non, la Cléo. Non, c'est vrai, Tâche, Pardon, pardon. J'ai oublié que toi sur ton compte secondaire, t'avais eu juste... Euh, euh, comment c'était quelle épique déjà Yannicka à la place. Ouais, c'est fou. Hein. Yannicka, j'aime beaucoup, je m'en sers encore. Euh, bon voilà, mon cher rider, on enfin, fait un légendaire hors mais c'est un doublon. Cléo. Rien de bien foufou. Allez, on va continuer et terminer par, 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 par. Allez, chez notre ami Pierre, donc, qui est au resto. Et il m'a dit Pierrot, envoie-moi du rêve. Je découvrirai ça plus tard. Perron, pour l'instant, on ne va pas se cacher sur les ratios. On est plutôt pas mal ce soir. Hein. Déjà, été habitué à des fois 2 avec euh, beaucoup moins de légendaires. J'aimerais bien qu'il y ait un même ratio comme ça sur, des, sur les néants, hein, parce que les néants, euh, quand même la tristitude. Ah, tu voulais Dudu, mais tu l'as pas demandé, Ryder. Je vois la technique. Ah ouais, judo, après, euh, c'est comme si, là. Est comme si des drecs, hein. Ah oui, toi, c'était Rectrice, Tajmir, c'est ça. C'est un petit. C'est quand même demi-éclat jaune, quand même, Rectrice. Je renvoie vers mon guide, Dino. Moi, bon, les champions que je fais en général, c'est pour ne pas les bouger derrière. Donc, euh, elle est effectivement toujours pareille, Ma Yannicka. Alors, très belle box de notre ami Eddie Pierre. Regardez. Oh Doublons Léorius. Doublons Cardi. Alors, ça, c'est de la box. Ça, c'est de la belle box. En légendaire néant. Ah oui, on arrive à. Deuxième on a un doublon Wizir aussi, doublon Badel en 60. Oh là 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 Mais c'est vrai, c'est vrai je... Mais pourquoi à chaque fois je me fais avoir, Pierre, par tes... Ah Triple Dudu Chaque fois je me fais rouler dans la farine. Je ne vais plus invoquer pour toi, Eddy, hein Eddy Pierre. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi quand je vois ça, ça mérisse le poil. Bon, est-ce que tu avais eu des attentes particulières On va aller voir. Des doublons marcheurs de peau. Bah tiens, on en a sorti plein ce soir. Ou un des six persos sont sortis. En espérant avoir un peu de chance. Écoute, je te souhaite de la chance. Je vois que tu en as déjà eu hein, pour avoir trois du du. Et tu vois, le chat te souhaite quand même du Vergumka, du Nobel. Euh, bon. La colère un peu. Hein. Tu sens la, la colère du peuple, là, ça fait penser un peu euh la révolution française, c'est dur quand on roule en dodoche et qu'on voit une Ferrari, c'est dur. Bon, ah, moi j'ai déjà eu des dudus plus 4 hein, et avec encore deux autres du à côté, mais ça, c'est les balénos. Ça, on a 63 éclats. Je vous laisse quelques instants pour voter dans le chat. Ça sera la dernière ouverture. Après, bah, s'il y en a encore qui sont pas euh, euh, manifestés, ça sera le moment ou jamais. Je m'excuse par avance pour la rediff YouTube. Euh, voilà, je vais balancer ça comme ça. Il y en a qui vont devoir venir un peu là, en attendant que tous les bugs, euh, y soient, euh, y soient passés. Donc, euh, c'est pas le côté très foufou de la chose, mais c'est comme ça. Salut Zerdé, merci beaucoup pour ton travail ah, et ton soutien, mille Merci à toi. Un hein, par politesse. Eh, vous êtes quand même, vous êtes quand même poli. Hein. Alessandra, double cette perception vitesse propre. Pareil, j'aimerais bien faire son guide, elle, mais il faudrait encore l'avoir. C'est ça, on peut avancer la vidéo sur YouTube, exactement. Bon, en moyen. Mais écoute, je t'en prie, c'est vrai que je suis assez peu sur, euh, sur Twitch, RD, c'est beaucoup plus sur YouTube. Et euh, du coup, euh, bah, c'est toutes les deux semaines euh, Twitch, voilà. Pour les fois deux, tous les vendredis, en général 17h, la soirée on a commencé à 20h. Euh, c'est un peu exceptionnel, mais, euh, mais sinon c'est tous les vendredis. toutes Les deux semaines. Et puis quand je serai en vacances, peut-être que j'en ferai un peu plus. Et peut-être sur d'autres jeux, enfin sur différents jeux, dont Red, évidemment. Euh, oui, quoi, c'est très bien Gaudrine, pour l'hydre, entre autres. Tout sur l'hydre. Non, pas vu de guette on a vu du giso Donc, on ne va pas lui souhaiter du giso ou de la guette pinte On y croit que la chatte à des soit avec toi, mon cher Edipi. C'est parti Allez, une petite pour démarrer. Il va nous faire un légendaire aussi, Edipi. D'ailleurs, on n'est pas allé voir. Hein, avant d'ouvrir les x10 là. Que... Parce que j'ai l'impression quand même qu'on n'a pas beaucoup d'éclats, mais j'ai l'impression qu'il y en a aussi beaucoup qui sont allés chercher. Ah, il n'est pas allé chercher, Ragash. Est-ce qu'on va lui faire la même surprise qu'à notre ami Zoro Allez on y va Ah je sais pas si c'est ce qui va la tirer Dino avec que like, non, on a quand même un épique Ok je crois qu'elle est plutôt au dijon euh... on y qui. La, la taille du bouclier Une galette suprême une talia c'est pas ce qu'on veut C'est moi ou c'est un marcheur de peau, parce qu'il m'a demandé un marcheur de peau doublon. C'est quoi ce délire avec les marcheurs de peau ce soir-là C'est une Valkyrie avec un groin là et un joli couvre-chef. C'est pas Tigrou effectivement, c'est pour le copain de Tigrou là, on comme tu dis. Bon, bah écoutez, on fait un leg. Euh, je sais pas trop. On va continuer avant de dire Rip ou GG et on va voir... Euh, on ira voir à la fin s'il y a du doublon. Hein. Il a bien changé Brutus. On est bien d'accord. Je crois qu'il est à force de, de s'engrosser, euh, s'engraisser sur une chaise, il a un peu changé. Donc là, 3-8. Euh, 8-8 pour la petite, tu seras 38 au pire mon cher Edipi. Incroyable hein, les likes quand même ce soir. Hein. En quantité. Peut-être pas parler de qualité, mais en quantité. Togi Urti Urticata. Et on est parti pour les dix derniers. Probablement une pitié montée à 38. Bon, les épiques étaient vraiment claquées au sol total. Alors... Vu que ton catalogue est plein de boutons rouges, on va être obligé d'aller voir dans les gardiens de faction pour voir. Est-ce que. Ah C'est un triplon oh, C'est un triplon Ah, oh, c'est rude là, On aurait dû sortir le seigneur de guerre, là. On aurait dû sortir le seigneur de guerre. Seigneur ou chef de guerre, à chaque fois je me trompe. Non, c'est pas beau, c'est ce PP, c'est pas beau. Et ça le rapproche, mine de rien. Ça le rapproche des plus de vitesse pour plus tard. Parce que du coup, il va lui manquer un Norog et un... un. Seigneur de Guerre. Elles n'êtes pas gentilles, dit hein. Il a une belle boxe. Il ne mérite pas un troisième Norog. Il aurait mérité un. Voilà, un Seigneur de Guerre. Est-ce qu'il est, est, qu est 60 Il a un so Seigneur de Guerre 60 ils sont 50 ils dorment ouais c'est le triplon du du qui pique un peu j'avoue ça j'avoue alors là, là hé. honnêtement j'aurais sorti un quadruplon du du je crois que là j'aurais eu envie de me pendre hein. alors, on va être très très clair euh, autant sortir une nouvelle du du pour quelqu'un je suis preneur. autant sortir un quadruplon du du un peu rude. mais on a sorti le triplon porciné, effectivement. Bon voilà les amis, on a fait un petit peu le, le tour de, des invoques. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue un petit peu sur mon compte si vous voulez. Euh, on va stopper les invoques là, donc pour les amis youtubeurs, vous allez retrouver la rediff, ou en tout cas vous arrivez à la fin de la rediff. Euh, J'espère que vous allez un peu scroller pendant les périodes de bugs. Nous on continue sur le live Twitch, mais cette fois-ci on part sur du gaming Red Shadow Legends encore quelques minutes. Et je coupe l'enregistrement. À très bientôt les youtubeurs. Pour un prochain fois d'eux, ce sera les sacrés.